Le tennis, c'est le tournoi international de la Villa Primrose à Bordeaux ce mardi, est marqué par la fin du premier tour et l'entrée en lice des têtes de série, notamment le 43e mondial, le Belge Steve Darcy, et le Palois Jérémy Chardy. Le Béarnais est attendu sur la terre battue en fin de journée. Écoutez le directeur de la compétition. Steve Darcy, le Belge, 43e mondial, tête de série numéro 1 du tournoi, membre du club depuis une dizaine d'années, qui fait qui affrontera un jeune Français qui a été un peu blessé mais qui revient bien. Et ensuite Jérémy, joueur local, lui aussi membre du club, qui fait son entrée en lice ce soir à partir de 18h et qui sera précédé par la star américaine Frances Tiafoe, qui a d'ailleurs gagné le tournoi Challenger d'Aix-en-Provence la semaine dernière, donc qui lui aussi fait son entrée dans le top 60, je crois, mondial, à seulement 19 ans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un programme de rêve. On est gâtés par le temps. Je pense que le spectacle sera garanti. Image.